Salut les amis, c'est Nakel, bienvenue chez Atterre France. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site que j'ai trouvé sur internet et comment connaître votre temps que vous avez passé sur le jeu Destiny. Alors, c'est sûr, vous pouvez aller voir directement sur le site de Bungie, mais celui-ci est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation et on va aller voir tout ça en détail. Donc, la première chose, ce site s'appelle Time Wasted on Destiny. Donc, je vais vous mettre le lien en description dans la vidéo. Alors, comment connaître votre temps passé avec votre pseudo? Donc, soit vous sélectionnez PlayStation ou Xbox, avec la plateforme avec laquelle vous jouez. Donc, en l'occurrence, moi, c'est PlayStation. Donc, je clique sur PlayStation. Dans la barre de recherche, vous tapez votre pseudo. Donc, pour moi, c'est Nakael. Et vous appuyez sur la barre recherche. Et là, il apparaît directement le temps que vous avez passé en totalité avec tous vos personnages. Donc, pour moi, c'est 2507 heures. Et là, il apparaîtra aussi si vous avez supprimé des personnages. Par exemple, vous avez joué 100 heures avec un titan. Et ben, vous l'avez supprimé après. Il apparaît. Et donc, ici, ça apparaîtra 100 heures deleted. Alors, vous pouvez aussi donc partager, donc soit sur Google+, Twitter ou Facebook, votre temps passé que vous avez fait sur le jeu, et d'aller voir aussi après en détail pour chaque personnage. Donc, on voit en totalité, avant tout, que j'ai passé 14 semaines, donc jour et nuit, voilà, ainsi un jour, 11 heures et 26 minutes et 29 secondes, que j'ai aussi 3 personnages actifs. Et vous pouvez aller voir, comme je le disais, en détail. Donc on voit de là que j'ai un niveau 400 avec un chasseur, que j'ai passé 2100 heures avec mon chasseur. Là c'est pareil, niveau titan 400, 225 heures. Et là un niveau 400 avec mon arcaniste 180 heures. Donc on voit que je joue plus avec mon chasseur. Et là, si vous aviez supprimé des personnages, ils apparaîtront ici. Donc moi, j'ai jamais supprimé deux personnages. Donc je trouve que ce site est quand même très très simple d'utilisation. Et on va les voir maintenant ici. Donc là, ce qu'on voit dans cet onglet aussi, donc ça veut dire que là, j'ai un emblème. C'est avec mon dernier personnage avec lequel j'ai joué. Donc j'ai passé aussi 2507 heures. Et donc la dernière date avec laquelle j'ai joué, donc pour moi, c'était le 30 juillet, dimanche 30 juillet 2017. Ici, vous avez un pourcentage, donc ça c'est pas mal aussi, ça veut dire que si plus vous êtes rapproché de 1% et plus vous jouez régulièrement sur le jeu, et puis plus vous rapprochez de 100%, moins vous jouez sur le jeu. Et là, il y a un truc vraiment très très bien les amis, c'est que vous pouvez aller voir le profil, et là vous avez accès, vous avez des liens, parce que c'est vrai que ce site-là, ça vous permet simplement de connaître votre temps passé sur le jeu, mais pas que, ça vous emmène aussi sur plein de liens, notamment sur Bungie.net, DestinyTracker.com, DestinyDB.com, DestinyStatue.com, GuardianGG, et Destiny Trailer Report. Donc ça, c'est tous les liens, si vous voulez connaître un peu plus vos ratios, les détails aussi en PVP et PVE. Donc là, vous avez aussi tous les liens qui apparaîtront ici. Donc c'est vraiment bien fait. Ensuite, donc là, c'est un peu dommage, parce que comme je suis administrateur du clan, normalement ici, vous avez ici le clan. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais taper un autre pseudo, donc d'un joueur qui fait partie de notre clan. Par exemple, je vais mettre Cobra, Cobra qui est 17-11-80 qui joue chez nous. Et donc on va chercher. Et ça vous permet aussi d'aller voir d'autres joueurs, donc ça c'est vraiment bien. Et donc là, voilà, il apparaît bien qu'il fait partie du clan ATR France. Et il suffit de cliquer dessus. Pourquoi? Je vais vous dire. Et ben, quand vous cliquez sur le site View Clan ATR, il apparaît ici au-dessus le clan ATR France. Donc vous avez tous les membres qui apparaissent de votre clan, c'est-à-dire nos 19 personnes qui jouent voilà, dans le clan ATR. Donc c'était un choix qu'on a fait parce qu'on veut rester une team familiale. Et il apparaît, voici ici, tout le nombre d'heures pour chaque personne, enfin pour chaque pseudo, pardon. Par exemple, là je vois Neo 3380, il a fait 1272 heures, etc., etc. Et vous pouvez aussi cliquer sur le pseudo et aller voir après en détail voilà, ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, on peut aller voir ici derrière. Donc on voit bien que moi, Nakel, j'ai passé 2507 heures, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est vraiment quand même bien fait ce site. Et on peut aller voir par exemple, je voulais vous montrer par exemple sur un joueur qui avait donc supprimé ses personnages. Par exemple TomTom31, lui il a passé 2099 heures sur le jeu. Mais il a aussi 908 heures de personnages qu'il a supprimés. Et ça on peut aller voir aussi en détail. Donc on voit bien par exemple là il a un titan 390, donc il a passé 482 heures. Donc là il a un arcaniste, il a 407 heures, et là il a par contre il apparaît pas par le nom du personnage, on sait pas si c'est un arcaniste, un titan ou un chasseur, mais on voit que par exemple il avait fait 306 heures avec un personnage qu'il a supprimé après.
Voilà. Et là, donc là, on voit qu'il a, il a un top 5%, donc il joue un peu moins régulièrement, mais vraiment, c'est, il joue quand même beaucoup. Voilà, faut le dire. Et donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce truc-là. Voilà, donc c'est vraiment bien. Et donc on aperçoit aussi le top. Vous avez un top, donc c'est sur plus de 10 millions de joueurs qui jouent donc sur toute plateforme confondue, PlayStation ou Xbox. Et on voit que le premier, donc, il a passé plus de 13 000 heures sur le jeu, ce qui est vraiment énorme. Je pense que ça doit faire plus de 2 ans, ça, je pense. Hein. Donc si on peut aller voir, on va cliquer dessus. Voilà, on clique dessus. Il a passé 19 257 heures et il a passé 2 ans, 10 semaines, 4 jours, 9 heures et 49 minutes. Voilà, c'est énorme. C'est le mec, voilà, il dort et il joue la journée. Mais enfin, en tout cas, bravo à toi pour cette performance, parce que moi je serais pas capable. Voilà, donc moi, pour moi c'est un très très bon site, les amis. Donc n'oublie pas, si t'as aimé ma vidéo, de mettre un petit pouce bleu, hein, de t'abonner si t'es pas abonné, hein, d'activer la petite cloche aussi, c'est bien, si tu veux recevoir toutes les notifs, hein. Et moi je vous dis tous, les amis, à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Et je vous laisse en musique avec j'ai fait des petits screams de la team avec le temps qu'ils ont passé dessus. Allez, ciao ciao, bye bye. Badness, give me some of that. Mix with the badness, look how she at. She a bright goddess, but I not just that. It's a good piece of mentals under the cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. And I would not lie, baby, you beat me up like Gotti. The way you move, that's why I wanted to get to you. And I would not like a baby, you move so hypnotic. No lie, girl, you never mean. I feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Girl, you never mean. No lie, when you bend and fold it, now let me own it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have mastered. I see what baby girl, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do. And I would not lie, baby, you beat me up like Gotti. It's so hypnotic the way